Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. En fin de contrat avec l'équipe Alpecin de Senin qu'au terme de la saison est convoité par plusieurs autres formations, le sprinteur australien Caden Grove a apposé sa signature sur une prolongation de 2 ans. Caden Grove a décidé de prolonger son aventure avec l'équipe Alpecin de Senac. Actuellement en deuxième saison avec l'équipe, après avoir couru précédemment pour Jayco Alula, Grove arrivait en fin de contrat et était courtisé par plusieurs formations, dont Astana Kazakhstan et Bahrain Victoriou. Cependant, malgré ses opportunités, le sprinteur australien a choisi de rester avec Alpecin de Senac. Cette décision a été officialisée après une victoire marquante sur la deuxième étape de la Vuelta à Ourém, où il a battu des coureurs tels que Wout Van Aert et Corbin Strong. Grove a signé un nouveau contrat de 2 ans avec Alpecin de Senac, le liant à l'équipe jusqu'à la fin de l'exercice 2026. Cette prolongation met fin aux incertitudes concernant son avenir et renforce la position de Grove en tant que meilleur sprinteur de l'édition 2023 du Tour d'Espagne, avec désormais 6 victoires d'étape sur les grands tours à son actif. Caden Grove exprime sa satisfaction de prolonger avec Alpecin de Senac, se sentant « comme à la maison ». Il apprécie l'environnement et le soutien qu'il reçoit, ce qui l'aide à exceller. Grove a des ambitions élevées pour les 3 grands tours et les classiques de printemps. Il remercie l'équipe et ses dirigeants pour leur confiance. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.